Minecraft FR, on se retrouve pour une nouvelle série sur Pokémon X. Alors, on se retrouve pour une nouvelle série. Donc c'est un Pokémon Nuzlocke random sur Pokémon X, sur PC j'ai réussi. Et j'ai aussi réussi à faire le random, le jeu pour qu'il soit random et tout. Donc voilà, c'est parti. French, Begin Game, c'est parti. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Platane, je suis le professeur Pokémon de Kalos. Ce monde est peuplé des créatures merveilleuses qu'on appelle Pokémon. Ces drôles d'êtres vivent un peu partout. Certains courent, d'autres volent dans les cieux, d'autres encore nagent dans les océans. Et nous vivons en bonne entente avec toutes ces créatures. Alors oui, du coup, ça fait 2 ans que j'ai pas fait le truc, et du coup, là, on est sur PC, donc les graphismes sont mieux. Ceci étant dit, tu es un garçon ou une fille? Je suis un garçon... Plutôt comment? Comme ça. Ouais, ouais, ça devrait être bon. On va se renommer Tom, parce que c'est mon nom IRL, voilà. Tom, c'est bien cela? Oui. Tom, c'est tellement poétique. Oui, je sais, je suis tellement intelligent, tellement beau, ouais, voilà. Tu vas faire un rencontre enrichissante, croiser de nombreux humains et Pokémon. Sur ce, en route direction le monde des Pokémon. C'est parti. Voilà. Nouvelle série qui commence. C'est parti. Allez, hop. Et s'habille pour la journée. Allez, on y va. Hop. Mon chéri, tu as dormi qu'une pierre, ma parole. C'est bon, tu termines le déménagement. Et plus le temps que se bouger. Pour commencer, je vais me faire le plaisir d'aller parler aux voisins. Je n'arrive pas à parler. Je me demande qu'est-ce qu'on va avoir comme, starter. Bonjour, on me présente Serena, je suis ta voisine. Et moi c'est Sana, hihi, bienvenue, tu as une chose incroyable, je vais venir pour toi. C'est le professeur Platane, notre unité de Kalos, en ce qui concerne des Pokémon, a une mission à confier à 50 ans. Pourquoi doit-il t'inclure et comment te connais-tu alors que tu viens à peine d'emménager à Bukroki? C'est un mystère. On s'en fiche, non, il faut aller voir une ville voisine. Devinez ce qu'on va y faire, on va recevoir des Pokémon, trop génial, et hop, on se bouge. Allez, c'est parti, go. Allez hop. Voilà, hop. Bon, je vais un petit peu zapper les dialogues de début, c'est pas très intéressant. Donc là, ils vont me demander mon surnom. Hop. Alors du coup ils vont me demander un surnom et on va le renommer. Alors pour ceux qui connaissent pas mes vidéos et qui sont des gens comme ça qui me découvrent avec ce jeu là, et ben je fais des vidéos avec je fais des LG et du coup voilà, si vous avez pas la ref, bah, c'est normal. Même la ref de mes noms de Poké, donc voilà. Ah, les Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, Carapuce. Donc on a un Carapuce, un Marcacrin et un Odulix. Bon, je suis partant pour Carapuce. Je suis partant pour Carapuce, perso. Purée, c'est cool, Carapuce.
Ok, donc voilà, Carapuce. Alors, je vais le renommer. Comment je pourrais le renommer? Vas-y, c'est mon Pokémon principal. On va l'appeler, alors hop. On va renommer Vrafik. Hop, voilà. Comme ça, s'il regarde la vidéo, il sera content. Hop, alors déjà c'est pas un Fennec que vous avez. Ah d'ailleurs, ils ont des Pokémon, ils auront pas notre dualité et tout là, ils ont des Pokémon random. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont. Hop, je zappe les dialogues hein, parce que c'est un peu long. Hop, allez. Allez, du coup on va donner la lettre à notre mère. Hop, voilà. Ah oui, bah oui, du coup on va combattre Sana. Je me demande ce qu'elle a comme Pokémon. Oula, j'ai peur, hein, parce que si elle me balance un Pokémon hyper fort, hein. Feuillage ou. Ok. Bon, le problème c'est que s'il me balance une attaque plante, je suis mort. Allez, Vrafik. Alors j'ai quoi comme attaque? Match Punch. Ouais. Il a une B. Lance Soleil. Oh non. Bon bah vous étonnez pas si je perds le premier combat, de toute façon je peux rien faire. Lance Soleil, bah voilà. Je peux rien faire là. C'est pas grave. Bon du coup bon hein, il nous a battu sauf qu'on aura notre revanche nous. On aura notre red kill. Allez hop, on va vite donner là. Là on va zapper les discours de maman là. Hop. Par contre. Oui, vous entendez très bien mon clavier. C'est pas un grenouille, hein, au cas où. C'est un Carapuce. Hop, allez, s'il te plaît, laisse-moi partir. J'en ai marre. Non, je sais comment me sert d'une carte, non. Allez, voilà, on y va. Oh non, il y a lui qui va encore m'embêter. Allez, laisse-moi partir. Voilà. Donc on va aller à la route 1. Du coup, ce sera la première zone. C'est un Nuzlocke. Le premier Pokémon que je vois, je le capture. Alors du coup, ce sera un épisode plus long parce que je... Alors attends déjà, hop. Voilà, merci. Et je ferai un épisode plus long. Je vais jusqu'à la première arène, donc ce sera un épisode assez long. Plus long que ceux que je ferai d'habitude. Donc si par exemple cet épisode il fait 30 minutes et que les autres ils font 15 minutes, bah vous étonnez pas, c'est normal. Jusque là je vais me débarrasser un petit peu du début du jeu. On va juste jusque devant l'arène et ensuite voilà. Bon là c'est normal, si on voit un Roucoule c'est normal, c'est prédit dans le jeu en fait, tu peux pas l'enlever. On va le kill. Hop, match punch. Pistolet, oh, lol. Allez hop. Coup critique en plus. Hop. Il est exprès. Oh c'est... Non j'avais oublié qu'il expliquait le concept des Pokéballs.
Non. Allez go, on zappe tout, on zappe tout. Là si elle voit un passe rouge, c'est normal. Ou un sapeur. C'est la même chose. Elle a pas de passe rouge hein, non plus, hein, vous inquiétez pas. C'est juste l'animation du jeu, on peut pas la retirer. Pic-pic, force ajoutée. D'accord. Et utilise charge, la logique. Dépêche, je sais comment on capture un Pokéball. Enfin, je sais comment on capture un Pokémon là. C'est bon. Allez, lâche-moi. Je veux partir. Vite, 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 vite. Elle découvre le système d'une Pokéball. Merci. Et tu vas me laisser prendre mon Pokémon de zone. Alors, quel sera le Pokémon que je vais capturer? Allez, c'est parti. Attention, la réponse maintenant. What? Meloetta? What the fuck? Ok. Meloetta, d'accord. Éclair. Purée. What? Niveau 4. D'accord, je suis un peu légendaire dès le début. Non mais c'est bon, hein. Tranquille. Je me dis les Nuzlocke, tu peux avoir tous les Pokémon du monde hein, avec les Nuzlocke. Hein. Voilà, Melo est à te capturer, normal. Non mais MDR quoi. Niveau 6. Hop. Niveau 7, c'est bon. Alors comment on va le renommer lui? Rune Protect. Quasiment level 8. Alors comment va-t-on le renommer? On va le renommer... Qui irait bien dans le rôle de Meloetta, genre? Vas-y, on va l'appeler... Ratroux. C'est pas leur pseudo exact. Exact, c'est marrant. Je me demande qu'est-ce qu'on aurait pu avoir. Vas-y, on regarde. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Un grain dur. Bon, c'est pas ouf. Attends, du coup, je me vois. Je vois. Capacité de Ratroux. La queue éclair. D'accord, bon bah... Ok. Ok, alors... on va quand même soigner... au moins un Pokémon, sur les deux. Bah les deux alors, parce qu'on a deux potions. Et on va sauvegarder la partie. C'est parti. Après on suit la forêt de Neuvarto. Alors qu'est-ce qu'il a, le premier dresseur? Déjà c'est une vendeuse, une femme louche. Une femme louche qui balance un Porygon. D'accord, ok. Et on envoie Vrafik. Il a télécharge, ok. Alors on va utiliser Match Punch. Ça devrait être très efficace. Oui. Coup critique. Clairvoyance. Ok bah c'est bon, on tient. On tient largement le coup. On utilise encore Match Punch. Toujours pas. Éclat de griffe. Ça va, ça fait pas mal. Ok, et ben là on a juste utilisé Pistolet à eau en finale. Et on gagne le combat. Graphique niveau 8. Hop. Allez, on routine normalement. Alors, forêt de Neuvarto, nouvelle zone. On va capturer un nouveau Pokémon. Ok, bah, soignez maintenant. Hop. Hop, voilà. Oui.
On s'en fout, en vrai, on va pas prendre. Les objets sont pas randomisés. Le LGB, attends, qu'est-ce qu'il y a? Antipara, on s'en fout. Alors, lui on fight. Vas-y. L'épidonie, alors ce ne sera pas l'épidonie, et c'est une grand-mère. D'accord. Ah, j'ai Marie là. Ok. Graphique, à l'attaque. Utilise match punch. Match punch. Ah. Alors je propose qu'on envoie Ratroux. Il a un objet sur lui. Attends, j'ai mal vu. Ouais, j'ai vu. Il a bien un objet. Charme. Attends, c'est quoi? Il a quoi comme objet, genre? Résumé. Il y a un morceau d'étoile. D'accord, bon, on s'en fout. Éclair, bah oui, il a que ça. Hop, il est super efficace. Doux baiser. Oh non. Je m'en fous, Meloetta. Allez, vas-y. Allez, Ratroux. Ratroux. Non. Salopio. Éclair quoi? Nenny? Quoi? Oh, c'est une blague? Non, elle utilise double baiser en premier. Ah non, mais je crois que j'ai perdu. À part si je fais un coup critique et qu'il soit pas confus. En plus, elle a un deuxième Pokémon. C'est bon, il se loupe pas. Purée, dommage. Éclair croix, putain, le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas. S'il te plaît, le tue pas. Le tue pas, le tue pas. C'est bon. Je vais électriser tes Pokémon. D'accord. C'est un karatéka. Et le Romalos. On envoie un graphique. Voilà, ça c'est bien. Vas-y, fais ton micro charge autant que tu veux, j'arrive pas à parler. Allez hop, ça c'est fait. Hop, c'est bon, Malo, c'est fait. Hop, niveau 10. Il apprend sport, oh purée, c'est bien ça. Hop, voilà. Hop, non, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, alors le premier Pokémon de... Ok, donc le Pokémon de zone, c'est Emolga. Pas ouf, mais bon, écoutez, on est un peu obligé. Il a Flamèche. Attaque-feu. Ça m'intéresse. Quand même. Donc on est obligé de le prendre de toute façon. Un. Deux. Trois. C'est fait. À partir de maintenant, du coup, on va un petit peu runner pour arriver. Alors, Ratroux, niveau 5. Alors, on le renomme comment, Emolga? Emolga, c'est Gigi Beast, ça lui va bien. Hop, Gigi Beast. Bon là du coup on est obligé de le buter hein.
De toute façon, oh purée, j'ai de la chance, hein. Mais j'aurais pas dû capturer un... Heureusement, heureusement que j'ai eu lui, parce que Espico... Aïe, aïe, aïe. Éclair. Vampirisme. D'accord. Oh non, il a genre un choc venin à son niveau. Incroyable ça. Bon allez, c'est bon là. Bon, on les dégage. Maintenant, il va falloir mettre Emolga en premier. Alors déjà, premier truc. Hop, le soigner. C'est bien. Voilà, allez on y va. Hop, allez. Allez, go. Donc ouais, il y a des herbes, nouveau Pokémon de zone. Là on fait quoi? Ah oui, bon, il y a le texte chiant, on zappe tout. Hop. On va juste jusqu'à Novarto et on arrête. Allez go. Alors, Pokémon de zone, maintenant. C'est parti. Au massacre. Merde. What? J'ai pas fait exprès. Non. Bon bah je suis désolée. What? Par contre je l'ai vraiment pas fait en mode ouais bah je vais pas la voir. Putain. Merde. Tarinor. Ça va. Ça va, Tarinor. En vrai, ça va. On va le capturer. Voilà. Tarinor, c'est bien. C'est type roche. On n'a pas de type roche. Ça a évolué en Tarinorm. Donc, pourquoi pas. En vrai, c'est bien. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Hein. Déjà, ça fait mon XP GG. On va le renommer comment? Oui, on le renomme Nico. Ah non, je sais, j'ai trouvé un surnom l'autre jour sur Nico. Voilà. Nigro. Alors, eh ben, il faut buter ce mec. Qui est en fait Daryl, le famille d'artistes. D'accord. Gigi Beast, à l'attaque. Ah, Gigi Beast, reviens. Alors Nico Groix comme attaque. Il attaque trop rapide. On en va Rattroux. Allez Rattroux. Alors par contre j'ai peur qu'il me balance une attaque d'enculé. Ah d'accord. Oh bah heureusement que ça fait rien. Allez, hop, tu te calmes. Voilà. Et sur deuxième Pokémon, Gigibus monte level 4, nickel. Il apprend le rugissement, on s'en fout. Riolu, il va craindre des attaques de type vol. Non, j'ai cru qu'il... Bon, vas-y, on envoie Nico, vas-y, ça change un peu. On envoie Nigro. Allez, Nigro. Riolu. Hop, tout rapide. Surpuissance. Quoi? Oh purée. Oh purée. Au revoir. Alors on aura passé un très bon moment. Allez,
graphique. Par contre sa défense baisse. Oh ça fait rien. Ah il baisse son attaque aussi, j'ai pas vu. Vas-y match punch. Voilà. Ça c'est mon. Ça c'est mon cara ça. Ok bah c'est bon. Hop. Allez go. C'est quoi cette musique? C'est un membre de la Team Flare ou quoi? Lumi le kinésiste. Envoie en Nucleos. Le truc va bien avec le personnage en plus, c'est marrant. Alors il a quoi? Flamèche, moi, c'est vrai. Hop. C'est nul. Possessif. J'ai jamais vu cette attaque de game. Alors, il faudrait du ténèbre ou du spectre, mais bon, on n'a pas du tout ça. Hein. Ouais, donc on va utiliser un autre Pokémon plus puissant que Molga, donc le graphique. C'est quoi cette attaque? Oh, c'est nul. Ouais c'est bon. Nion. Canicule. Disons que c'est super rapide. Oh il est brûlé purée. Brûlé, brûlé mais pas bon. Vas-y on va le pistolet à OE. Ok c'est bon. Il me refait les champs des stats là. Et c'est bon là. Hop, pistolet à eau. Voilà, voilà là. C'est bon. Jijibus niveau 5. Et on l'a eu. Ah oui, c'est F, purée, j'ai oublié les touches. Et dégage, genre, qu'est-ce qu'il fait, lui, il apparaît comme ça. Bonjour. Bon, je pense qu'on va entrer dans le centre Pokémon et qu'on va s'arrêter là. Hop, alors, oui, oh non, purée, non, non, c'est bon, je sais ce que c'est un centre Pokémon. Bon allez, on soigne, et c'est la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, et à commenter comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve, à bientôt, et sur ce, ciao!